Salut tout le monde, c'est Jérôme FPS. Donc là, on est sur Motel Manager Simulator et on est sur la vidéo numéro 21. Donc, dans cette vidéo-là, on va regarder par rapport à l'argent, mais on va essayer déjà d'attaquer le premier étage ici. Donc, on a le rez-de-chaussée, on a terminé là-bas tout au bout. Et là, on va essayer d'attaquer le premier étage. Et je vais regarder aussi pour agrandir ma salle de... Attendez, hop, on va faire ça. Hop, la salle de repos. Parce que la salle de repos, je peux mettre que 3 personnes. Et j'ai déjà embauché les 3 personnes. Donc, on va essayer de le faire et comme ça, on sera tranquille. Je vais récupérer l'argent un petit peu tout partout. Je vais regarder aussi si j'en ai sur les publicités. Voilà. Et donc, ça me ferait à peu près du 2 900 €. 2 900 €, ça va être faisable. Parce que là, j'ai 5 000. Donc, ouais, ça pourrait le faire. Donc, ici, on va aller là. Ah, on va me voler dans mon entrepôt. Hop. Je prépare mon petit fusil. Et on va lui mettre un petit coup. Direct, il vient de me voler. Salut. Oh, j'allais tuer mon employé. Ah, il était déjà dans... Par contre, il y a des moments, il va pas jusqu'à la porte, vous voyez. Il y a des moments, il va aller jusque là, mais il va pas aller jusqu'à la porte. Voilà, voilà, là, 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 là. On verra bien si elle, elle va les mettre en place. Toi, bah, tu es peut-être quelque part là. Voilà. Il m'avait volé ça. Et je vais récupérer ça, ça et ça. Ça qui est en dessous, ben. Alors, ouais, je vais le remettre là. Toi, tu peux aller là. Mon petit bidon, hop. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. Donc là, on va poser ça ici. Ça là, un petit acide. On va mettre dedans. Toi, tu retournes là. Voilà. Et lui, il va là, la poule. Voilà. Donc là, hop. Et maintenant, je vais récupérer ça, 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 et on va les mettre ici. Voilà. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Alors, bon, on va revenir sur ce qu'on est en train de faire. On va vérifier quand même au niveau de l'essence, si j'ai encore bien de l'essence. Non, justement, j'ai pas beaucoup d'essence. Donc, on va faire un ravitaillement d'essence quand même. On va aller dans gestionnaire, ici, alors publicité, je prends ma publicité, on va aller ici. Alors ça, je voulais en racheter un, on va sûrement en racheter un dans, dans une des vidéos, j'en aurais besoin. Alors ici, ben, on va améliorer une chambre, donc une chambre c'est 900, et on va passer sur le deuxième étage, donc on va valider une chambre, une personne. Et on va essayer d'aller dans les employés, alors c'est ici, salle du personnel à 2000, voilà. Annule, hop, voilà. Donc là, on est parti, on va regarder. On a notre deuxième étage qui est ici. Voilà, on a notre deuxième étage. On est sur la chambre numéro 11. Donc je devrais avoir une clé qui est apparue normalement. Voilà, 8, 9, 10. La 11, elle est là. Voilà, je vais réouvrir mon motel. Je vais vérifier. Alors, est-ce qu'il y a encore des chambres à... Celle-ci, là. Alors, j'ai la chambre, les deux dernières chambres qui sont pas prêtes. Ah, mais je pense que c'est parce que j'ai pas mis la femme. Et ben, j'ai pas ce qu'il faut. Alors, je vais aller voir pourquoi la dernière chambre là-bas, elle est pas prête. Alors, peut-être qu'elle est pas propre. Ah non, ben, je l'ai pas faite. Ah, ouais, ok, d'accord, j'avais même pas. On l'avait pas faite cette chambre. Je m'en rappelle plus. Non. Bah, si, pourquoi il y a des trucs par terre. Mais si, je m'en rappelle. Attendez, je vais regarder. Ah non, c'est celle-là la dernière qu'on avait fait. Ouais. Non, ben non. Ah purée, j'ai acheté deux chambres. Bon, ben il va falloir acheter en double alors. Ok, bon, ben on va pas pouvoir le faire tout de suite. La 10 et la 11. On va devoir gagner un peu d'argent avant. Donc là, on est bon. Hop, on va récupérer. Hop, on va récupérer. On va aller vérifier s'il y a des choses à mettre à vendre. Donc là, c'est ouvert. Hop. Alors, je vais quand même embaucher quelqu'un qui va nettoyer parce que, franchement, normalement, je suis censé mettre en rayon et je galère. Donc là, on va aller dans gestion personnelle. On va embaucher une personne. Oh, je sais pas, moi, je vais prendre lui. Allez, lui alors, on va prendre lui, employé, et on va le mettre en nettoyage. Voilà, comme ça, en même temps, il va aller me nettoyer l'autre chambre. Donc là, on est bon. Je vais payer les salaires quand même parce que, de toute façon, dans tous les cas, il faut payer les salaires. Et voilà. Et il va venir, il va faire tous les nettoyages. Parce que j'ai besoin.
Alors, c'est une habitude par contre. Toi, je récupère. Ici, bon, bah, je peux pas le prendre. Alors, lui, paquet de chips ici. Ok, donc là, hop, en haut. Voilà. Et toi, tu dois aller là-bas tout en haut. Voilà. Donc là, c'est bon. On va mettre ça là, ici à côté, en attendant. Là, j'en ai plus. Et là, j'en ai plus. Alors, je vais quand même nettoyer mon magasin pour continuer à avoir des évaluations positives. Je pense qu'à mon avis, il est parti. Voilà, il est parti faire la chambre là-bas tout en haut. Comme ça. Et il va falloir qu'on fasse un camion. Il va falloir que je fasse attention par rapport au niveau des camions parce que. Bah là, je vais devoir faire deux chambres. Ah ouais, j'avais pas calculé que je devais faire deux chambres. En réalité, j'avais acheté la chambre dans la vidéo d'avant et j'ai oublié que je l'avais pas faite. Donc, bon, c'est pas grave, on va faire deux chambres en même temps. Bah pour gagner de l'argent, on va louer les autres. Déjà, ça va me permettre de pouvoir louer. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 à louer, je crois. Donc, on va ouvrir un motel. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 à louer. Donc, 7 à louer, je vais mettre les temps les plus forts. Comme ça, ça va me permettre d'avoir de l'argent. Moins 13, moins 7. Ah oui, c'est un paiement automatique. Ah ouais, c'est vrai, j'avais mis paiement automatique au niveau des gestions. Donc, ouais, c'est pas gênant, mais j'avais mis automatique. Et dans les chambres, j'en ai une qui se finit dans 4 minutes et une dans 1,50. Voilà. Et lui, il va switcher. Il y a des moments où je vais le mettre au nettoyage, et il y a des moments où je vais le mettre dans les chambres, et ainsi de suite. Comme ça, on va pouvoir le faire en même temps. Alors, toi et toi, papier toilette, je vais te mettre là. Voilà. Là, j'ai ce qu'il faut. Là, j'ai ce qu'il faut. Pourquoi j'ai tendance à la main ? Ah non, c'est bon. Là, on est 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 bon. Ok. Bon, elle, va continuer. Alors, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, pour les rayons, que dans l'ordinateur, on pouvait mettre le montant maximum de ce qu'elle pouvait mettre en rayon. Je vais regarder parce que j'ai pas trouvé. Alors, normalement, on va aller dans gestion, à mon avis. Et là, ici, on peut rien changer. On a les tarifs et on a le personnel. Donc là, c'est bon. Dans gestion, on a quoi? On a le stockage en magasin et en entrepôt. Ok, d'accord. On a l'équipement. Et je sais pas trop. Alors, dans les livraisons, ça va pas passer ici. Dans la publicité, bon, je reprends de la pub. Les mises à niveau. Donc, ça doit être ici, dans les gestions. Le problème, c'est que là, on a les gestions, ok. Et là, on a quoi? Les draps de lit, ok, d'accord. Au niveau des tarifs. Donc, affiche les effets d'intention, ok, d'accord. Là, c'est les nouveaux prix. Donc, on voit bien que c'est les nouveaux prix. Et là, on a le carburant motel. Et dans le stockage, on doit avoir quelque chose. Est-ce qu'on a un truc ici? Non. Ah, ça c'est équipement, papier toilette et tout. Non. Et là, dans l'entrepôt, bah, j'ai les deux. Donc là, ça marche pas. Et là, c'est les tarifs. Tous les produits et produits appartenant. Donc on a tous les produits. Et là, par exemple, les chips, bah, je peux les mettre à 1 euro, 1,60. Voilà, tu vois. Et après, je vais faire sauvegarde et ils passent à 1 euro 60. Mais j'ai pas le truc qu'on m'avait dit par rapport au nombre de... Regardez le soda par exemple, je peux mettre à 2,10. Même 2,40. 2,30. Voilà, 2,30. Ça, les prix, c'est pareil, je pourrais les augmenter. Et je pense que ça, je vais les faire hors vidéo. On va augmenter tous les prix à fur et à mesure hors vidéo. Carburant motel. Donc, eux, c'est bon, on est à 90, 90. Et là, j'ai personnel. Donc, les payes de personnel, les embauches et les missions. Ah, peut-être ici. Ah oui, oui, c'est là. Donc on va aller dans mission et ici niveau max. Alors eux peuvent mettre que 20 produits et là ils vont mettre 6, 10. Ok d'accord, bah je vais mettre 50, allez. Hein. 50, on va faire 50, 50, 50, 50. Comme ça ils vont faire le maximum jusqu'à temps que c'est plein. Alors j'aurais bien aimé pouvoir faire les 50 tout d'un coup. Mais... Ok, ok. Donc là normalement elle va être censée refaire... Est-ce que j'ai pu mettre tous les produits? C'est tous les produits appartenant. Sauvegarde. Ah, je vais mettre tous les produits, ce sera peut-être mieux, non? 50, 50, 50. 50, 50. Si je rachète des nouveaux, moi je suis tranquille. Voilà.
Regarde, et il va falloir faire ça pour tout. Waouh, ouais, ça va être super bon. Je vais essayer de me faire le plus vite possible. Alors, si je peux faire comme ça. Alors, je peux pas aller plus bas là. 50, 200. Ok, c'est bon. Ça, ça fait ça. Mais je peux pas descendre plus bas, comme ça. Ce sera bien. En fait. Je pense, de toute façon, dans les étages, on peut pas mettre 50. Mais... Voilà. Donc là, on a les collations maintenant. Alors, j'ai fait quoi? J'ai fait les boissons. Les collations. Alors, collation, c'est fait. Boisson, c'est fait. Pâtisserie. Pâtisserie, c'est pas fait. Non. Voilà. Et le problème, c'est que si je reste là, ça bloque. Ça descend pas. En bas. Regarde. Alcool. Pareil. Vous voyez, hop, ça marche pas. Si je descends pas, ça marche pas. Voilà. Cigarette. Bah, pareil. Pour l'instant, je vais faire ça et après je le ferai hors vidéo. Ça sera mieux parce que là, sinon c'est pas très passionnant, on va dire, de faire ça. Hop, j'ai fait les premiers, voilà. J'ai fait au moins ce qui est principal. Ok, oh, j'ai du monde déjà. Bon, déjà, on va regarder pour la chambre numéro 1. Tu t'en vas? Ah ouais, il est parti parce que... J'ai 11 clients. Donc là, 12 heures. Ça m'intéresse pas. Moi, il faut des sous, monsieur. Désolé. J'ai une chambre d'hôtel à refaire. Madame, 48 heures. Non. Désolé. Alors, est-ce que je vais avoir une double? Normalement, je suis censé avoir deux doubles. Donc, je vais pouvoir faire la 8 et la 9. Tu me rends la chambre. Merci beaucoup, monsieur. La chambre numéro 5. Ok. Donc, il va aller la nettoyer automatiquement. 36 heures. Non, merci. Après, sauf les chambres doubles que je le ferai directement. Là, il est en train de nettoyer. Il va aller me nettoyer la chambre numéro 5. Là, je pense que c'était un double avant. Ah, deux lits. Attendez, madame. Donc là, deux lits. C'était la 01. Je vais te mettre la 08. Un lit double. Prenez cette chambre-là, madame. 769. Nickel. Nickel. Alors, toi... 24 heures, désolé, j'ai pas. Est-ce que j'ai encore... ouais, bah à mon avis, j'ai dû rater une chambre. J'ai dû rater une chambre double. Le gars d'avant, j'ai pas lu. Et... 72, tu peux la prendre. Thank you. De rien, madame. On a 2600 et les brouettes. 72, tu peux la prendre aussi. Great. Il me reste 3 personnes, 4 personnes. Donc là, on est à 3000. Monsieur, 12 heures, désolé. Have a nice day. À toi, hop. Désolé. En train d'acheter des boissons. Ah, elle va me rendre une chambre, d'accord. La 3. La 3 et la 5, elle m'a rendu. Non. Too bad. Désolé, mais non, je peux pas. Alors, je vais vérifier si le gars il peut le faire ou pas. Alors, est-ce qu'il est parti nettoyer? Alors, madame, 24 heures, c'est passé. Are you serious? Est-ce que les chambres, donc celle-ci, est-ce qu'elle est louée? Celle-ci, elle est louée. Celle-ci, il est en train de me faire le ménage. Celle-ci, il va me faire un ménage. Ah, celle-ci. Ah ouais, c'est vrai. J'avais dit que j'allais récupérer le lit. Donc là, le lit va aller là. Hop. Toi, le petit coussin, je te mets là. Toi, je te mets ici. Et toi, je te mets là. Et il va venir me mettre des draps automatiquement. Donc, c'est pas gênant. Ça, ça va aller à terre. Ça, ça va aller à terre. Ça et ça, ça va aller à terre. Voilà. Et on verra bien. Je viendrai les ramasser plus tard. Donc ça va aller dans la chambre là-bas au bout.
C'est comme j'avais dit que je faisais une chambre double, et justement, il me manquait un lit double. Enfin, je voulais récupérer ce lit double. On m'avait dit que je pouvais pas prendre ce lit-là parce que je le mettais en chambre double, ça passait pas parce que j'avais mis qu'un seul oreiller. Et il fallait que je mettais deux oreillers. Donc ici en haut, pareil, c'est propre, il a tout nettoyé. Donc là, pour l'instant, tout est propre, tout est nettoyé. Ouf, je suis en train de tomber. Ah ouais, d'accord, faut faire attention. Ok, donc là c'est bon. Et je vais le mettre en préparation de chambre parce qu'il y en a deux à faire. Donc gestion personnelle. Monsieur, tu vas aller dans entretien et ménage. Voilà. Ça a changé. Hop, hop. Et on va essayer de faire une commande de... Alors j'avais fait une commande de tout ça. Déjà, j'ai vu que j'ai quand même pas mal vendu. Mais là, je suis à combien? À 600 balles. Bon, ça fait plaisir, c'est que c'est propre, j'ai pas besoin de nettoyer. Alors, je sais pas s'ils vident les poubelles, moi je pense que oui. Mais... Ok, donc là, hop, 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 je vais lui rendre sa poignée, voilà. Et là, on a 4300 des boîtes. Alors, à savoir que je vais devoir faire deux camions, parce que ça sera impossible de le faire avec un camion. Donc, je pense que stratégiquement, dans le grand camion, on va essayer de mettre tout ce qui est grand. Et après, on verra pour les petits. Les lits et tout, on pourra déjà prendre. Ben, j'ai qu'un seul lit à prendre. Donc là, on a la chambre numéro 4 que j'ai remis. Normalement, elle est dispo. Je vais vérifier la chambre numéro 4. Elle est prête, ouais. Alors, madame, combien de temps? 24 heures, c'est trop court. Madame, 72 heures, tu peux la prendre. Thanks. Et la 6. 12 heures, désolé. Alors, on va regarder au niveau des chambres. Donc, j'ai tout validé. J'en ai 4 de pas prêtes et j'en ai des autres de prêtes. Alors, bah là, on est parti pour les équipements. Donc, au niveau du lit, il m'en faut un. Un seul et il me faut un lit d'une personne. Donc, on va prendre un lit d'une personne. Qu'est-ce que je vais prendre? Après, je prends celui-là, mais de base. Allez, celui-ci. Draps et lit, on va reprendre des draps, 1, 2, 3. Couverture, 1, 2, 3, je reprends toujours les mêmes. Oreiller, il m'en faut un seul. Ici, au niveau des portes, j'ai pas de porte de l'autre côté. Non, deux portes comme ça, deux portes comme ça. Alors déjà, je vais changer le camion, je vais mettre un gros, voilà. Pour voir à peu près. Et là, on va aller dans l'équipement. Donc les portes, j'ai pris les deux. Plafond, lumière. Une, deux pour la salle de bain. Par contre, dans la pièce, je vais en mettre une comme ça et une comme ça. Baignoire. Alors là, par contre, c'est grand, la baignoire. Je vais essayer de prendre quelque chose. Celle-là. Lavabo. Tout simple. Serviette. J'ai des serviettes. Papier toilette. Toilette, j'en ai, mais papier toilette. On va prendre celui-là. Papier toilette, c'est bon. Chauffage. Deux chauffages. Rideau, voilà, on va essayer de faire deux rideaux différents, 1, 2 et 1, 2. Voilà. Siège, alors siège, ouais, on va mettre table siège. Donc là, je vais mettre deux comme ça et deux comme ça. Et au niveau des tables, je vais prendre une comme ça et une comme ça. Maintenant, le camion il est plein. Donc non, je vais regarder parce qu'il est déjà plein. Alors je pense que les deux tables, je vais devoir enlever une table. Au pire, je vais enlever les deux tables, je prends une cassette. Je vais enlever les deux tables, je vais essayer de mettre autre chose. Donc là, table, placard, c'est trop grand. C'est trop grand, non, livre. Peut-être ça. 1, 2. 1, 2. Voilà. Article de toilette, ça c'est bon. Et on va mettre deux horloges. Voilà. Donc déjà là, on est bon. On va faire un PO. On revient sur l'équipement. Donc les rideaux, j'avais pris. Les chaises, j'ai pris. Là, j'ai pris. Ça, c'est quoi de ça? Là, j'en prends deux comme ça. Et les sièges. J'avais pris les sièges. J'avais pris deux comme ça, deux comme ça. La table, une comme ça, une comme ça. Le bureau, non. Le placard, il en faut deux. Deux simples. Deux. Tiroir, non. Électronique, bah, deux clim. Alors, les clims, ouais, ça varie. Deux comme ça. Deux comme ça, deux télé, voilà, tapis, deux,
Là, j'en ai... Ça, j'ai pris. Livre, j'en ai pas besoin. Article de toile, j'ai pas besoin. Accessoires, j'ai pris. J'ai pris, j'ai peut-être pas pris deux miroirs, c'est tout. Donc là, on est bon. On passe sur lequel camion? Le gros, non. Le fourgon passe et la petite camionnette, par contre, passe pas. Donc celui-là. Et par contre, je vais devoir refaire un. J'ai pas pris déco. J'ai pas pris pour faire les murs et tout. Donc on va refaire un petit. On va aller dans l'équipement. On va prendre le petit. Ah ouais, c'est vrai que je dois le faire avant. Donc, ouais, ici. Donc les murs. Qu'est-ce que je peux faire? Allez, on va prendre pour deux murs comme ça. Donc là, c'est pour la première chambre, on va dire la grande. Et on va mettre des lattes en bois comme ça sur la petite. Au niveau du sol. Ah, moi, j'aime bien... au niveau du sol, pardon. J'avais mis quoi? Les murs, là? C'était les murs? Ouais. Au niveau du sol, moi, j'aime bien ce sol-là. Donc, je reste sur ce sol-là. Moi, j'aime bien, je vais en racheter 5, 6, voilà. Les plafonds, bah les plafonds, moi j'aime bien les peints en blanc. J'avais mis un peu dans ces trucs-là, mais... non, on va le peindre en blanc. Donc, il me faut 6 comme ça. Et qu'est-ce qu'on va mettre comme couleur? J'ai pas mis de gris, déjà. Voilà, et j'ai pas mis de... Donc, le gris, on va l'utiliser pour la chambre d'en bas. On va mettre un vert un peu comme ça pour la chambre du haut. Pour changer un peu. Donc là, on est validé, et là, on est sur le petit fourgon, et je peux le valider. Donc là, je vais avoir trois fourgons qui vont arriver en même temps. Toi, tu es désolé pour 24 heures, c'est pas possible. Est-ce qu'il m'a fait toutes mes chambres? Ouais. Il m'a fait toutes mes chambres. Donc toi, tu retournes personnel, tu retournes au nettoyage. Voilà. Madame, 12 heures. Non, merci. Have a nice day. Livraison à l'entrepôt. Donc à mon avis, il y en a déjà un qui est arrivé. 24 heures, non. Ah, j'ai encore des chambres à louer, mais non. 12 heures, ah, c'est pas assez. Alors, je l'ai remis au nettoyage, parce que vous voyez, c'est sale. 36, allez, tu peux prendre celle-là. Pas grand-chose, mais tu peux là. Donc là, on va aller voir là-bas. On a le premier camion qui arrive. Qu'est-ce qu'elle me fait, elle? J'ai pas demandé de décharger. Oh là là, elle va tout mettre en place. On va tout poser là, comme ça le fera plus. Voilà. Donc toi, hop, tu peux partir. Et on va regarder où elle a mis. Alors, elle a mis tout ça où? Bah là, une table. Ok. Ça, ça. Là, elle a rien mis. Si, les deux clés. Voilà. Par contre, elle a pas mal de trucs vides. Elle les jette pas les cartons. Par contre. Est-ce que j'ai des trucs ici? Non, casquette, chapeau. Ça, non. Non, bah c'est bon pour le moment. Alors là, j'ai le gros camion qui va arriver. Après, ben, j'ai la petite camionnette rouge qui va arriver aussi. Allez. Et ils auraient dû mettre quand même un manager qui récupère l'argent de temps en temps. Vous voyez, vous prenez un manager, vous l'activez, et il vient récupérer de l'argent de temps en temps. Parce que ben je trouve que il y a des moments où t'as pas trop le temps d'aller récupérer l'argent. Et donc c'est un peu embêtant. Voilà. Après les serviettes, je peux lui laisser remettre, ça c'est pas très très gênant. Je vais regarder si elle peut récupérer au moins ça. Moi j'ai besoin de ça, 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 ça. Voilà, et les rideaux et tout, bon bah ça elle peut la récupérer si vous. Non, les rideaux j'en ai besoin. Voilà. Toi, alors, ça, 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 ça. Voilà. Et il manque les deux horloges. Normalement, on est censé avoir tout ce qu'il faut pour. Hop là, il manque que ça.
J'aime bien, il fait quoi? Bon, on va mettre là. Voilà, donc là, on a tout ce qu'il faut. J'ai un client là-bas. Je vais regarder si elle est vide ou pas. Bon, je peux le faire quand même, ce sera plus simple. Bon, je sais pas après si... là, allez hop. L'oreiller, bah plus l'oreiller, je vais en avoir besoin ici. Non. L'oreiller, j'en ai besoin. Il va aller dans le lit. Toi, tu peux partir. Et j'ai ma peinture qui arrive. On va aller voir si on peut louer en attendant une chambre. Peut-être pouvoir louer une chambre double. J'ai vu qu'il y a une personne sur le bord. Toi, tu veux un lit pour 36 heures. Attendez. Bah le 3, je crois qu'elle est libre. Hop. Attendez, non. Vas-y, prends-la. Toi, tu veux une chambre pour 12 heures, désolé. À chaque fois, elle vient pour 12 heures, je l'envoie chier. Ah, pas de sous. 36 heures, un lit. Bon, on va te mettre en attendez. Prends la 5. That's cool. Et normalement, bah lui, ça va être sûrement la grande chambre 9. Ok, tu peux la prendre. Cool. Voilà, nickel. Allez, bon séjour. Donc là, on va récupérer bah, tout ce qui est peinture et tout, mais il faut que je regarde pour faire au bon endroit. Parce qu'il y a des peintures. Donc je vais tout sortir, on va tout mettre au bord. Et après, je vais tout trier parce que... Bon, je regarde quelle peinture ils vont arriver là, quelle peinture il va aller là, quel sol. Les trucs, faut tout trier. Ah bah désolé, je suis occupé, mesdames. Mesdames, messieurs, pardon. Voilà, hop, 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 mes sols. Non, mes murs. Ah, ça, c'est les mêmes partout. Voilà, et là. Ah, s'il y a un voleur qui veut venir là, il va se faire plaisir. J'ai plus rien hein, dans la camionnette. Non, je regarde bien parce qu'il suffit que je termine la livraison et ça ne passe pas. Donc, je vais aller voir vite fait là-bas et puis on va commencer à faire les deux chambres. Pendant ce temps-là, bah, de toute façon, ça travaille, donc je vais gagner de l'argent. Toi, qu'est-ce que tu veux? Alors, j'ai une chambre 96 heures avec un seul lit. Bah, j'ai que celle-là. Tiens, madame, monsieur. Je te prends le poste, celle-là. Tu peux la prendre. Et je vais fermer le motel parce que bah, les autres chambres, elles sont pas dispo. On va les faire. Donc là, il me faut... Alors, je vais d'abord prendre les lampes. Donc, il me faut celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Ça va. Pour pouvoir déjà éclairer. Parce qu'on va pas commencer à faire les chambres si on n'éclaire pas. Donc on va mettre ici, alors là, la grande elle va aller là-bas et ça, ça va aller ici. Donc je vais d'abord aller là, hop, voilà. Il y a déjà posé le papier toilette et tout, c'est un truc de fou. Alors, toi tu vas aller ici. Toi tu vas aller ici. Et je t'allume. Hop, voilà. Et ça, c'est déjà à terre alors que ça... Il n'y a même pas récupéré le linge aussi. Voilà, pour l'instant il est en train de faire le ménage, enfin il est en train de tout faire. Ouh, j'ai eu un petit freeze. J'ai des sols là, je vais peut-être pouvoir faire le sol tout de suite. Donc ça c'est quoi ça? C'est la salle de bain. Hop. Et ça... Hop, voilà. Et on va vérifier. Alors, il y a des gens à l'hôtel, je vais pas y aller, de toute façon ça sert à rien. J'ai plus de chambre. Donc toi, toi, toi... Tiens, on va déjà faire les sols ici. Donc hop. Hop. Voilà. Hop. 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 Yeah. Ah, dommage. Il manque un carton. Ah, je vais regarder si j'en ai pas sur la palette. Bon. J'en ai un sur la palette et il y en a 100. Donc ça devrait être bon.
Et hop, ma petite partie là. Ok, d'accord. Donc là, on est goût. Bon, là, après, je vais venir ranger ça. Ça me servira à rien. Ok. Là, j'avais peint la façade. Il va me falloir du orange pour peindre la façade là-bas. Bon, je crois qu'avec un seul, il y aura assez. Il va falloir... Je ramasse le linge aussi. Le linge, il est sale. Alors, je sais pas quand je mets le linge à terre si réellement il va le ramasser ou pas. Je sais pas du tout. Hop. Ça aurait pu nous aider pour aller sur le toit, ça, quand on avait besoin de prendre la mallette. Voilà, donc là on est bon. Moi je vais laisser là en attendant. Let's go. Allez, on y va. On va commencer. Donc là c'était blanc, tout en blanc au niveau des plafonds, vert au niveau des murs. Mais j'avais un papier peint de chaque côté. Qu'est-ce qu'il me fait lui, par contre? Lui il nettoie ou il fait quoi lui? Je ne l'ai pas mis en truc comme ça, donc non, c'est bon. Alors, c'était comme ça, c'était le... Ça, c'était là-bas. Ça, j'ai besoin. 1, 2... Ah, voilà. Alors, on est bon, hop. Toi, et toi. Donc là, c'était pour faire les plafonds. Ici. Voilà. Assez souvent, bon, on va sûrement faire un mur de chaque côté vert. Le reste en blanc. Donc moi, je vais faire ça. Hop. Et on va faire ce mur-là en blanc. Voilà. Hop. Et ce mur-là en blanc. Si ça va tout le faire aussi. Voilà, c'est bon. Et le reste, ça va être du vert. Ça va être pour le plafond. Donc, on va pas gaspiller. Je vais faire ça. Comme ça, il sera quasi vide. Voilà, hop. I'm done. Voilà. Et maintenant, on va faire les murs. Alors, pour le mur vert, je vais faire ça. Hop là. Ça. Par contre, c'est pas ici que je vais mettre les rideaux bleus. Voilà. Et dans la salle de bain, pareil, il y aura deux murs à faire en vert. Faire une chambre un peu raccordée. Hein. Voilà. Donc là, on est bon. Et moi, je veux ça et ça. Et ça, ça va faire les murs. Hop. Voilà. Ça fait toute la ligne. Voilà. Let's go. Donc là, on est bon. Je vais poser ça là. On verra bien. Donc là, il me manque juste un peu de blanc pour faire le plafond. Mais on est à peu près bon. Donc là, on était bon. Les sols, c'est fait. J'avais pas fait le sol dans la petite. Non. Non, j'avais pas fait. 2, 3, 1, 2, voilà. On va essayer de faire comme ça. On va essayer de finir la déco de la première chambre, puis après la déco de la deuxième chambre. Ça sera plus facile. Il n'y a plus rien à voir. Oh, purée, elle est vide. Alors, on avait dit... Ah, j'ai plus de... Ah si, j'ai encore du verre. Voilà, c'est bien. Alors, du blanc, donc pour finir ma pièce là. 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 J'arrive pas à passer. Ah bah ouais, je suis bloqué par des... Voilà, donc là on est bon. Et maintenant on va faire les sols. Donc là, le sol de la salle de bain. Ah, ouais, c'est bon. Donc là, on va vérifier. Je vais récupérer tous mes seaux. On va vérifier.
Ouais, merde, je suis posé là. Voilà. Donc là, ici, on a fait la peinture. Ça va, ça fait pas trop moche. Ça va. Donc là, maintenant, là-bas, j'avais attaqué le sol. Je crois que j'avais fait le sol. Maintenant, il me faut les murs. Et le plafond. Donc, pas sûr, il faut que je reprends du blanc. Il faut que je reprends mes trucs comme ça. Donc là, ici, les sols, ils sont faits. Donc là, on avait dit qu'on faisait du riz. C'était le 0,4 de gris. Voilà. Et il me faut ça. Voilà. Déjà. Alors j'espère que j'aurai encore des trucs à vendre. Et j'espère qu'elle a tout chargé. Ah, je sais pas pourquoi j'ai quelqu'un qui a sonné. Alors que mon motel il est fermé. Alors, pareil, bah ici on va faire cette partie-là. Hop, je vais reprendre toi. Cette partie-là. Et cette partie-ci. Ah bah j'ai passé, à mon avis, je dois encore en avoir là. Ok, donc là c'est bon. Et là, ça va être le gris. Donc le gris, le gris, le gris, le gris. Hop, toi tu vas aller là. Voilà, encore une fois. Hein, ouais, le gris là. Ça fait pas un mur complet, vraiment, c'est chiant. Voilà, et pareil dans la salle de bain. Donc dans la salle de bain, je vais faire gris là. Gris là. Ouais, ok. Et le reste, ça va être du blanc. Chaque fois, je prends des pots en trop. Tellement peur de ne pas en avoir assez que je prends des pots en trop. Je vais aller chercher le reste et après, bon, on va passer sur... Donc, il me faut les pots de blanc. Il me faut encore un pour les murs. Il m'en faut encore un comme ça et le reste, c'est le blanc. Et après, on va aller chercher ben, les portes à faire à mesure et ainsi de suite. Donc là, le vert, j'en ai pris beaucoup trop. Blanc, blanc... toi les deux, blanc et blanc. Voilà. Au pire, les blancs, si j'en ai trop, je remettrai sur la palette. Voilà. Toi, 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 tu devais être ici. Voilà. Voilà. Bah pareil, ça j'en ai un peu trop. Bon. Je pourrais faire autre chose avec ça. Hop, donc là on va taper le plafond. Voilà. Et là, c'est la salle de bain. Ah, ça m'a pas fait compter. Voilà. Hop. Là. Ah ouais, j'ai oublié les deux là. Trois. Et hop, et là. Il faut surtout pas oublier un mur, hein, parce que sinon tu peux pas louer la chambre. Ah, est-ce que c'est peut-être quelqu'un qui vient me rendre des chambres? On va aller voir. On va aller voir. Hein. Est-ce que c'est peut-être quelqu'un qui va me rendre des chambres? C'est quoi ce 4x4 là? On n'avait pas vu du gros camion aussi? On dirait que c'est rajouté. Oui, madame. Tu veux... Un lit, attendez. 72 heures. Ah, j'ai quoi? Mais j'ai fermé mon motel, non? Bah ouais, mon motel est fermé, madame. Donc, désolé. Hein. Désolé, j'ai pas. Ah bah, je suis sérieux. Un peu plus sérieux. Ouais, c'est bizarre, je me semblais pas l'avoir vu, peut-être. Ah, peut-être pas dans cette couleur-là. Donc là, les portes, on va mettre en priorité. Les portes. Voilà. Et qu'est-ce que je vais prendre? Le coussin. Comme ça, je peux déjà poser le lit. On va pouvoir mettre une porte là et une porte là.
Et après, il va falloir que je réinvestisse dans la nourriture. Donc là, ça, non, tu vas là-bas. Hop. Toi, tu vas là. Toi, tu vas ici. C'est un peu le bordel. Après, une fois qu'on aura fini tous les chambres, je revends tout. Hein. Je me casserai pas la tête. Voilà. On va mettre déjà l'oreiller numéro 1 et l'oreiller numéro 2. Comme ça, je serai tranquille. Voilà. Et là, on va essayer de faire ben, chambre par chambre. Hein. On va voir ce qu'on peut prendre. Genre un évier, un toilette. Ben, la salle de bain, ça va vite. C'est une baignoire, un évier, une toilette. Hein. Ah, c'est vrai, j'ai plus rien à boire. Hein. Alors, il y en a combien? J'ai récupéré deux de là. Ben, là, pareil, j'ai plus rien. Ok. Par contre, ça, les machines automatiques, il les re-remplit pas. Donc, faut faire super attention de ce côté-là. Ben, le lit, j'en ai besoin. Là, j'ai pris quoi? Ça, le lavabo, je l'ai pris ou quoi? Ouais, je vais le prendre. Et le toilette, il est là. Voilà. On va déjà aller mettre ça dans la petite chambre. Voilà. Hop, hop. Alors, la baignoire. Voilà. Le lit. Bah, il va aller là en attendant. Je le pose au milieu en attendant. Toi, tu vas là. Et toi, tu vas là. Voilà. Donc là, bah, c'est bon. Alors ça, bah, je vais le prendre. Je vais le mettre là en attendant. Comme je fais un peu d'habitude. Ah, je vais passer par le magasin. Je vais essayer de récupérer un peu de sous. En même temps. Alors c'est bien que c'est que tout est propre. 1800. Ah ouais, bien. 500, 175, ok. Ouais, j'ai du monde ici. J'ai du monde. Il faudra que je vérifie aussi si c'est au niveau de... Comment on appelle ça? Alors, le radiateur, je peux le prendre. Le lit, je peux le prendre. Mon essence, ouais. Alors, lui, je peux le prendre. Lui, je peux le prendre. Elle, je peux le prendre. Je crois que j'ai 5 dans mes mains. Alors, qu'est-ce que je peux mettre en premier? C'est le radiateur. Donc là, ici. Toi, tu vas là, non? Voilà. La télé, elle va aller là en attendant. Hop. La clim, ça, c'est à l'extérieur. Donc toi, tu vas aller ici. L'autre clim, elle va aller là. Et la lampe, elle va aller bah, ici. Hein. J'ai envie de la mettre là. Hein. Évaluation boutique plus. Ok, d'accord. Donc là, le toilette, j'ai déjà mis. Là, c'est pas les bonnes chaises. Les rideaux, c'est la chambre vert. J'avais dit que je mets pas le bleu. Donc je vais mettre ça. Il y a un peu de vert dessus. Ça, je vais en prendre un. Tapis, je vais en prendre un. Miroir, je vais en prendre un. La table, c'était celle-ci. Et les chaises, c'était là. Ah, je peux plus prendre. La table et les chaises. Il faut pas que j'oublie aussi qu'il y a une horloge. Et après, il faut que j'achète les prises. Enfin, il faut que je prenne les prises. Alors là, ici, on a quoi en premier? Là, les rideaux. Premier rideau. Deuxième rideau. Là, c'est pour le toilette. Let's go. Ça, c'est pour la salle de bain. Là et là, ça, c'est pour ça. Voilà. Eh, j'ai quand même 6000. On a de l'argent, on a de l'argent. On va pouvoir acheter. Alors là, ouais, j'avais dit que j'allais finir ça. Donc, on a la table. Les chaises, c'était celle-ci. Et non, j'en ai une note comme ça, quelque part là. Ok, une horloge. Et une serviette. Normalement, le reste appartient à l'autre. On va refaire un test, on verra bien. Et je pense que ça appartient... Le reste appartient à l'autre... L'autre chambre. Donc, on pose une petite table ici, avec deux chaises. Même si c'est un lit simple. Je préfère le mettre là. Voilà. Toi, l'horloge, pardon, tu vas aller là. Hein. Alors pareil, cette horloge-là, c'est la seule qui se met pas à droite. Et ça. Normalement, on est bon. Hein. On a tout ce qu'il faut.
Faut juste que je branche. Bon, après, pour brancher, j'irai chercher 4 prises et je ferai tout en même temps. Comme on est à côté du stockage, je vais en profiter pour récupérer ça. Je vais en profiter pour récupérer ça et ça sera bon. Voilà. Donc, ça, ça va aller aux salles. Alors, il faut que je regarde parce que j'ai un propre. Ça, c'est propre. Ça, c'est sale. Ça et ça, ça. Non, ça, ça. Ça, ça. Voilà. Alors, bah, je vais prendre l'or. 1, 2, 3, 4. Ah non, il manque une armoire, par contre. 5. Il faut que je lui dépose une armoire. C'est vrai que j'ai oublié de mettre une armoire. C'est pas grave, je mettrai ça. Voilà, hop. Alors, ça c'est dans la salle de bain. Ça c'est ici. Ça, ça va aller là. Ça, ça va aller là. Ça, ça va aller ici. Et je pense que le lit va plus aller là. Voilà. Voilà. Il y avait un truc que j'avais mal mis. Ouais, c'était ça. Ici, ça va être la douche. Let's go. Ah là là. Alors. Bah on va continuer à récupérer un manquant. Hop. Une arme. Hop. Une armoire. Ça. Et deux rideaux. Et c'est tout. Alors c'est vrai qu'il y a le chariot et tout, mais c'est pareil, le chariot c'est un peu galère quand tu utilises. Quand tu utilises pour la peinture, le sol et tout, c'est bien le chariot. Mais par contre, si tu l'utilises pour les trucs comme ça, moi j'aime pas. J'aime pas trop. Alors, le toilette en priorité, ok. L'armoire, je vais la mettre là. Le tapis, bah, il va aller à peu près ici. Les rideaux. Alors les rideaux, bah, j'en ai là. Un là. Et un là. Voilà. On voit pas trop. Alors il y a une petite fenêtre à l'arrière aussi. Hein. Si on veut, on peut mettre un rideau aussi. Et normalement, bah, on aura quasi fini. Hein. You are lightning fast. Ah non, ça. Ça oui, ça, alors ça, 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 ça. Il faut que je récupère ces deux là. Ça devrait être bon. Par contre, il faut que je regarde, il manque pas un truc de clim, quoi. Un gros cube de clim. Mais je regarde, mais je pense qu'il manque ça. On va aller voir. Je crois qu'elle a dû peut-être le mettre dans un truc. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Là, c'est pour le toilette, donc on peut le mettre là. Et c'est quoi la lampe? On va la mettre ici dans le coin. Ici, j'ai une chaise que je vais mettre. Bah, ici, on va faire le salon. Ça, ça va aller là, ici, à peu près. La table, elle va aller là. Voilà. Il faut vraiment que je regarde, parce qu'à mon avis, il doit avoir un problème. Je n'ai pas le truc. Alors là, je peux prendre l'armoire, elle va aller là-bas. C'est une, deux. Donc, il me manque un truc. Elle a dû me prendre un truc. Il me manque un moteur de. Alors, j'ai pas là. C'est quoi de ça là-bas? C'est des cartes. Bah, c'est bizarre. J'en avais un pourtant. On a rien mis là, non. Là, c'est des gâteaux. Là, c'est des chips. Là, c'est des effets personnels. Là, c'est des batteries. Ça, c'est quoi ça? Mes lunettes. Ah, c'est bizarre, j'ai l'impression que j'en avais acheté un pendant. Des trucs pour la clim. Il m'en manque un. Bon, ça, on va faire un petit topo, on regardera ce qui manque et je rachèterai. Je vais juste voir. Alors, ici, j'ai besoin de la salle de bain, donc c'est bon. Donc, ici, la baignoire qui va aller là-bas au fond, voilà, et le lavabo qui va aller ici. Voilà, donc là il manque la prise et c'est tout. Et il manque ben, le truc là. Le problème c'est que je peux pas la louer si j'ai pas ce qu'il faut. Faire attention, hein, mais on peut pas la louer.
Alors, les évaluations, elle est bonne. Et je vais activer le gars pour qu'il va me faire le lit. Il va aller mettre les draps dessus. Hop, voilà. Il va m'activer. Il va me mettre aussi les produits. Après, les produits, je crois, les a mis à terre. Donc, je vais aller voir. Mais il faut qu'il met les draps sur le lit. Donc, ça, l'armoire, je vais la mettre là. Let's go. Hop. Merde, j'aurais dû prendre les. Ah, purée, je fais des allers-retours pour rien. J'aurais dû prendre les prises. Parce que même si des fois j'ai pas encore le moteur, je peux déjà mettre les prises de la télé et donc je vais prendre 4 prises. C'est chelou. Hein. Alors, ouvre. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Allez. Je vais aller sur le PC, je vais demander qui met. Au moins si je peux activer une chambre, ça sera bien. Gestion personnelle, monsieur, entretien ménage. Normalement, j'ai mis un truc où ça les paye tout seul, donc on verra bien si ça marche. Alors, la prise, je vais la mettre, elle est là dans le bas. Hein. Et elle, je vais la mettre ici. Je peux prendre, faire. Non, il faut que je pose au sol. Toi, et hop, je te mets là-dessus. Toi, hop, je te mets là-dessus. Voilà. Elle est pas mal cette petite chambre. On a mis le rouleau de papier toilette un peu n'importe comment. Donc là il est parti mettre les draps. Regardez, hop. Il est en train de mettre les draps sur ce lit, dans cette chambre là. La télé elle est ici, donc on va mettre là à peu près, voilà. Et lui là. Voilà. Bon, il y a comment. Ouais, il m'a mis les draps là. On va aller voir si les chambres elles sont plus ou moins prêtes. Et si c'est ça, il faut que je commande. J'ai commandé un camion complet de nourriture en même temps, je vais acheter ça. Remplir les boissons et tout. Donc, en chambre, ouais, elle est prête. Déjà, là, ouais, là celle-là, elle est prête. L'autre, elle est pas prête parce que, à la base, il me manque des oreillers. Oreiller, il y en a pourtant, drap, lit, couverture. Donc c'est la numéro 11, c'est celle tout en haut. J'ai pas mis d'oreiller sur celle tout en haut. J'avais pas un oreiller qui traînait à terre à un moment. J'avais un oreiller tout seul qui traînait à terre. J'ai l'impression qu'elle me range des trucs, mais je sais pas où. C'est pas des oreillers, ça c'est pas un oreiller, non. Ça c'est une couverture. Non. J'ai vraiment l'impression qu'elle me range des trucs. Parce que là, c'est pas possible. Je les avais achetés. J'avais vraiment tout acheté. Là, je me retrouve avec un oreiller en moins. Alors, est-ce qu'elle a réussi à faire... Oh, il n'y a plus de nettoyage. Là. Ouais, c'est vrai. Ouais, il est parti pour... Il est parti faire ce qu'elle va faire. Ouais, il salit vite. Enfin, il salit très très vite. Bon, je vais laisser, on verra. Au niveau du stockage, hein. Je regarde. Les... Ah, j'ai des produits de voiture encore. Il y a quelqu'un qui va me rendre une chambre, je pense. Voilà, allez, rends-moi la chambre. Donc, il faut que je commande un oreiller. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il me faut livraison. Ici, là, oreiller. Ah, il m'en faut un, pourtant j'en avais acheté un. Et dans électronique, il me faut ça. Voilà. Là, on est où ? Et maintenant, il me faut des produits. Qu'est-ce que je vais acheter ? Je sais pas trop. On était dans le moment. Je vais essayer de prendre un gros camion quand même. Qu'est-ce que je vais acheter comme produit ? Bah après, c'est beaucoup des boissons. On va prendre 3 comme ça. 3 comme ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pâtisserie, j'en avais. L'alcool, non. Cigarette, hein. Produits de voiture, j'en ai. Après, c'est plus des collations. Il y a des trucs, j'ai déjà, donc il faut que... Ouais, bon, on va pas prendre un grand camion, on va prendre un petit. Petit fourgon. Allez, voilà, c'est parti. Au moins que je récupère les deux. Donc avant, on va aller faire un petit dodo. Comme ça, je peux finir ma chambre. Avant la fin de la vidéo. Sinon, après, on va oublier.
9h04. Ok, hop, voilà. Alors, je vais le changer, je vais le mettre au nettoyage. Ah, comment tu vas me rendre champ? Ah bah ouais. 3. Allez, bah c'est bon, il va pouvoir retravailler là. Vérifier. Et là, 5. 4, 5, voilà. Comme ça, il va faire les draps en attendant, et moi, je vais pouvoir... Après, le mettre au ménage, comme ça, il va en faire le ménage. Alors, j'ai besoin de ça, et j'ai besoin de... Alors, je vais regarder sur le côté. L'oreiller. Ils l'ont mis où, l'oreiller? Là. Le reste, la femme, elle peut les vider. Donc, l'oreiller va aller en haut, et les draps, ils vont aller là. Ah, c'est vrai, j'avais pas mis d'oreiller. Non, c'est pas ça. Voilà, et toi, tu vas aller là-bas. Et on sera bon. Donc le reste, je vais la laisser faire. Hop, 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 hop. Normalement, la clim, elle est à peu près là. Un peu plus sur le côté, même si je crois. On va mettre juste là. Voilà, on est bon. Voilà. Alors, les chambres sont prêtes à louer. Je vais vérifier les deux dernières, mais normalement, elles sont prêtes à louer. Les chambres. Les deux dernières, elles sont prêtes. Ok, d'accord. Donc là, ben, j'ai deux chambres qui sont en train d'être en nettoyage. Lui est en train de le faire. Il ramène tous les produits. Et bon, mais bon. Juste nettoyer un peu ici. Pour que c'est pas trop sale. Après, je vais le mettre au nettoyage. Alors, t'as combien toi dans ta caisse? 927. Et toi, on va faire un petit topo puisque j'ai ça. Ouais. Oh, il y a un problème. Il y a un problème avec les clients où ils sont bloqués. À mon avis, il doit avoir un bug. Il y avait pas mal de bugs avec une histoire de bus qui n'arrive pas à reprendre les. Ils n'arrivent pas à reprendre les clients. Donc les clients restent là et ils attendent. Ouais. Et comme c'est comme ça, bah, il faut relancer le jeu. Il faut relancer le jeu, puis c'est reparti. Donc là, bah, lui, il est en train de faire son travail. Et pendant que tout va se faire là, elle est en train de vider, hein, c'est ça? Bah, elle est en train de vider, donc elle va vider dans le camion. Est-ce que je peux l'aider pour qu'elle puisse aller plus se mettre en rayon? Alors, allez, hop. Je vais l'aider vite fait. Voilà. Comme ça, ça va aller plus vite. Et elle, je préfère qu'elle va mettre en rayon. Et nous, on reprendra pour les boissons, s'il faut nous mettre dans le distributeur. On va se dépêcher, hop. Voilà, il est parti nettoyer. Il est très long à vider la voiture. Voilà, on va aller prendre le dernier, on va chercher le dernier. Voilà. Voilà. C'est bon, elle a pris le dernier. Toi, tu peux partir. Voilà. Toutes les portes se ferment. Et ils sont. Donc voilà. Là, on va la laisser travailler. Elle va les mettre en rayon petit à petit. Il n'y a que moi qui va devoir en remettre ici. Mais sinon, ça sera bon. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Laissez des commentaires. Partagez le petit pouce bleu. Je vous dis ciao, ciao. C'était Jérôme FPS. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là, donc n'hésitez pas à cliquer sur « Abonnez-vous » et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications. Donc, si vous aimez cette chaîne, vous aurez deux vidéos à votre disponibilité, soit la vidéo droite, soit la vidéo de gauche. Mais si vous aimez vraiment la chaîne, il y en a énormément et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. Donc, n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne. Je vous remercie, bonne journée.